Et bienvenue mesdames et messieurs dans un nouvel épisode de Monter le Ladder sans payer, dans lequel je contrôle l'esprit de ce chat. Lève la tête. Baisse la tête. Lève la tête. Regarde vers la caméra. Admirez ses beaux yeux. Oui, beaux yeux. Okay. Allez, on continue. Nous sommes à 2-2 sur un deck mitigé. Hey, tu me laisses faire mon discours ? Ninja ! Contre un paladin. Évidemment, un paladin qui a le skin secondaire de Uther et doré, parce que sinon c'est pas drôle. Bah, mais tu me laisses ? Oh. On a le tour 1, on a le tour 2. On va relancer les tours 4 pour avoir du tour 3. On a du tour 3. C'est bien. Il jouera au tour 1, donc on va faire le laquais de la cabale. Oui. Oui. Il a sauté. Je m'en fous, je regarde pas le jeu, j'ai aucun respect pour mon adversaire. Je te le dis. C'est moi qui ai ta peluche. Là où il bosse toute la journée. Esclavagé ou prisonnier. Tu veux ta peluche ? Va te faire foutre. Alors. Limite, ce qu'on pourrait faire là, c'est pièce aventurier en pleine quête. Comme ça, on commence à le faire grossir. L'aventurier en pleine quête, plus tu peux le jouer tôt, mieux c'est. Enfin, il faut deux cas de figure. Soit tu le joues tôt et du coup, il devient incroyable. Soit tu le... Elle a volé la peluche sous mon nez. L'aventurier en pleine quête. Soit tu le joues... J'étais tellement con, j'ai oublié d'appuyer sur le truc adverse. Soit tu le joues tôt. Et dans ce cas, il devient increvable. Soit tu le joues... tard, mais avec plein de trucs derrière. Donc du coup, ici, on va faire ça. Donnez-moi une quête. Vous ignorez. Qu'est-ce que c'est comme truc? C'est un murloc? C'est un crapaud? C'est... Bref. Hey! Donc là, ensuite on va faire saboteur. Ah bon, d'accord. Donc ici, je pense que ça va être. On va faut l'empêcher de piocher. Donc on va faire une 3-3. Tac. On fait trade ça. Prochain tour, on fait saboteur, il grimpe encore, etc., 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 etc. Ok, main full serviteur. Je peux aller me faire foutre. Ah, c'est la merde. Et si on leur mettait des bateaux dans les ronds ? Je pense qu'il va falloir se séparer de cet aventurier en pleine quête. Malheureusement. Parce que si je le détruis pas, lui va le faire. Pourtant, je vais dans la gueule. Pour le forcer à trade. Comme prévu, il trade. Pour péter mon truc, là. Ouais. Je peux cordialement aller me faire foutre. C'est tellement la merde. Ce sera très bon pour se débarrasser du dragon, ça. Et après, on va faire ça là-dessus. Connard. Mot de l'ombre mort pour me débarrasser du dragon. Ça fait pop un Drake qui traîne avec le sergent grossier. Voilà. Donc là, je peux limite tempo un tour. En faisant... Non, pas ça. En faisant ça.
en faisant ça. Prochain tour, je me débarrasse des deux gros trucs. À savoir le dragon et le kodo. Donc là, du coup, qu'est-ce qui est le plus urgent à se débarrasser? Bon, ça c'est sûr, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. J'ai de quoi gérer son favori de la foule, mais j'ai pas de quoi gérer son kodo. Du coup, c'est la merde. Je pense que ça allait très très vite. Hein. Et ben on fait ça. C'est le seul truc qui est potentiellement capable de grossir. Et on fait ça. Il nous reste plus qu'un ogre dont on s'occupera au prochain tour. Tour de cochon. Qu'est-ce que vous faites? Va jouer avec ta peluche. Fais le maître shooter. Allez, gagne la joute. Yes. C'est pour l'empêcher de faire des traits trop faciles en fait. Comme ça, il est obligé de péter ses deux créatures. Peut-être que la bite de Brainbrod, elle doit pas avoir si mauvais goût pour que tout le monde veuille la sucer. Après, moi, je dis ça, je dis rien. On va faire ça, qu'est-ce qu'il va me faire? Oh! Wilfred Flaboom! Alors, qu'est-ce qui est chiant? On peut se débarrasser de ça. Et on va se débarrasser de... Ça sert à rien, mais voilà, au moins ça me fait un token. Oh la mais la dévolution du... Serviteur de Yogg-Saron, si tu nous écoutes, sache que je te remercie pour ton pâté en croûte. Le maître bouclier Sengid 8-10, t'as jamais vu un maître bouclier aussi vénère. Alors là, évidemment, très déçu d'avoir pété mon chip, hein, évidemment. Surtout que ça ne sert à rien. On va faire ça. Là, techniquement, c'est le boss final. Là, tu te débarrasses de ce Sengin, mais le mec, il a perdu. Après, il me tue en deux tours, mais il prend une tue en deux tours. Mais bon. Allez, une boule de... Oh là là là. Son deck de vénère. Voyez les dessoudeurs. Mais qu'est-ce que vous faites? Les dessoudeurs, c'est vénère. C'est trop vénère. Bah du coup là j'ai perdu. On va tout empaler hein, bam, 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 voilà. On s'en fout d'accord. Voilà, tac. Fin de partie pour moi. Bon, on a battu le record. 3-2. Prochain épisode, 3-3. Premier. Mais c'est quoi ce cliquetis? Caméra. Bon, je lui ai frotté un peu la couenne et ça allait mieux. Bon, découvrons nos cadeaux. Non mais c'est bien, c'est une bonne croissance. On a fait 3-1, là on fait 3-2. Enfin, 2-3, pardon. M'en fous, j'ai de quoi relancer deux arènes.
paquet de cartes. On va l'ouvrir. Hein. Paquet de cartes de Gadget Zen. Non, c'est pas là. Ouvrir des paquets. Non, mais les mecs, ils sont tous passés sous le bureau. Dont Ancho. Il y a des quoi d'autre comme les journées aussi. Je sais plus, putain. Bref, allez. Ça, c'est de la merde. 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 Et ça, c'est de la merde. Lance-moi de la merde. Bon, mesdames et messieurs, j'espère que... Merci d'avoir regardé cet épisode de Monter le Ladder sans payer, qui, encore une fois, est une grosse merde. J'ai des spasmes, en fait, des spasmes vocaux. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. De vous abonner, de mettre un pouce vert, de commenter pour dire « Ouais, t'es qu'un connard, tu veux me faire une vidéo sur un truc que tu maîtrises pas, je fais ça juste pour les vues et tout. » Bon, c'est faux, juste pour les vues, je vais m'avoir une dizaine à tout casser. Faites des gros bisous, ciao tout le monde. C'est là.